Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Starfield. On était en train de récolter des primes, on avait acheté la voiture c'est de la merde. Ok, on va s'amuser. Et on s'était fait recruter par des jackies qui veulent qu'on tabasse la flotte écarlate. Parce que je m'étais baladé avec des matières volées sur moi. Donc, c'est parti. Plan de tuer des gens. Ça, c'est quelque chose que je sais faire. Oh, un truc, là. Il y a plein de couleurs. Quoi ? Un kit d'urgence. On va l'utiliser direct. Tant qu'à faire. Un truc par là. Inconnu. Alors, on doit juste aller rechercher des primes. Et on va voir ce qui nous attend. Moi, si le mec m'attaque, je me défends. S'il m'attaque pas, on peut discuter. C'est le juste avant qu'on avait fait avec l'éclipse. Ça, c'était bien fini. Évidemment. Jean. T'en veux encore? C'est bien, c'est là qu'on voit que les silencieux servent dans le jeu. La tête. Oh. Va falloir faire mieux que ça. Écoute. Pour le moment, ça a l'air de plutôt bien se passer pour moi. Prenez ce qu'il vous faut et laissez le reste au récupérateur. Malistrom ici. Ça doit être le tien. Y'a pas d'autre ici, je crois. Ok. Jean. Merci. Genre... Elle était où la tourelle? Les tourelles, ça a souvent des matos. Des ressources, ça c'est cool. Très grave. Ah. Oui.
solide comme matos, hein. Même quand elle est morte, elle continue à tourner. Aïe. Ma cheville. Voilà. Là, il y en avait une. J'avais pas pris ton argent, toi. Encore des gens, nous dit-on. Ah oui. Des tourelles. Elle vit super bien, la tourelle, mec. J'espère qu'ils l'ont pas payé trop cher, la tourelle, hein, parce que... Merci. Ah bah là, il y en avait une autre. Très bien. Il y en a encore une. Certainement une tourelle. Je m'en occupe. Bah non, c'était pas une tourelle. Allez, on y va. Ouverture de porte. Nettoyage du complexe en cours. On y va. Bonjour. Il y en a trop, on est deux. Oh, des sticks. Jean. Mon chargeur est vide. Je recharge. C'est pas fini. Da-da-da-dam, da-da-da, da-da-da. Un ordinateur. Ils se battent contre quoi, on sait pas. Security access. Ah, c'est peut-être pour l'ordinateur, ça. Oh, j'ai pas vu. Merci. Établi d'armes. Très bien. Pas de pitié. Pas de pitié pour les croissants. Ah, regarde-toi maintenant. Je suis là pour la justice. Je suis là pour légiférer. Quelqu'un ou quelque chose nettoiera le reste. Oh, Pete Kino. Ah, ils sont là. Bonjour. Ah. Oh. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas sorti le législateur. Il est temps de faire la loi. Une batterie. Qu'on sorte de là. Tire de couverture. On se débarrasse pas de moi comme ça.
lumière. C'est toi ça? Oh ouais, un petit tambour là. Je vais que commencer. D'autres ennemis. Qu'est-ce que tu fais? Ma tête. C'est parti. Ton heure est venue. Un déplacement. Alia. Ah d'accord, la security door, ça nous a mené ici. Rendez-vous, monsieur. Il essaye de s'enfuir, le lâche, le bougre. Reviens. Hamlet. Sale chien. C'est une mission quoi? Il fallait le garder en vie. Il me tirait dessus. Hein. Je suis désolé. Moi, j'ai fait que me défendre. Hein. Bon, à un moment, il était à genoux. On aurait peut-être dû commencer à discuter avec lui. C'est vrai. Je veux bien entendre que... Je vais ramasser lui. Merci. Ça faisait un joli, ça fait un joli raccourci. Hein. Établi d'armes. On est d'accord que... Genre... Ça... On peut pas la démonter. Ah ! Pardon. Le casque est parti. Il a perdu son casque audio. Allez. C'est bon, ils sont bien morts. On peut y aller. Barrons-nous. J'aimerais aussi être paré à toute situation, mais il y a des limites physiques, non? Jamais de limites physiques. Oh! Ça, c'est cool, ça. Pas de toutes les armes, apparemment. Rubik's Cube. Rubik's Cube. Le cube de Monsieur Rubik. Peut-être que je rejoigne mon vaisseau avant. Il a combien de kilomètres mon vaisseau? 400 mètres. C'est loin. Statut. Oh, ambiance extrême. Protection combi épuisée. Ouais, mais on n'est pas...
Oui, voilà. Voilà, là normalement je peux déposer. Toujours pas ? Encore trop loin ? 40 mètres trop loin le jeu. Plus un petit peu. Voilà. Tac. Allez. Ah ça, bon sur plonger. J'ai pas fait exprès des fois de prendre les armes. Tac, tac, silencieux. Ok, on est déjà moins lourd. Combinaison, paf, pouf, pif. Tac, paf. On se téléporte au vaisseau. Hop. 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 Et on décolle. Alors, décollage. Tout est prêt ici. Toi aussi. Vaisseau le plus moche de l'univers. Apogée terminée. Nous sommes. Alors. En avant. Bah ça tombe bien, c'est juste à côté. Allez. Déconner, hein, peut-être pas baisser le bouclier. Colons en détresse. Nous avons vraiment besoin. Merci d'avoir répondu. On a eu quelqu'un juste avant qui s'est astroporté sans même dire bonjour. Nous sommes avec le RCI et nous essayons de nous rendre vers notre nouveau foyer. Mais notre astromoteur est vieux, genre vraiment vieux. Et j'ai bien peur qu'il ait rendu l'âme. C'est con. Donc vous êtes coincé. Et nous sommes juste à deux sauts de commencer une nouvelle vie. Nous avons un établi à bord. Il nous faudrait simplement du fer. Beaucoup de fer. Ensuite, nous devrions pouvoir effectuer les réparations nécessaires. Est-ce que vous en auriez, par hasard ? Nous vous paierons bien plus que la simple valeur du fer. Bon, j'ai du fer. Ça devrait être suffisant. Merci. Tenez, de quoi couvrir vos frais avec quelques intérêts. Avec un peu de chance, nous repartirons bientôt. Ok. Bon. Sur ce, moi j'étais parti tuer des gens. T'as bien de la chance, mademoiselle, hein. Ah, 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 foncez leur dessus. Ça aurait été très drôle que je passe en astroportation, j'essayais mais... Allez. Vas-y. Alors c'est où, vas-y. Mais... La sonde... Allons là d'abord. Je croyais que j'avais sauté vers le bon secteur. Appel bien reçu. Dégâts
système critique. Ok. On rentre à bord. Sortez les armes. Préparez-vous à tuer tous, la tous les mécréants. Terminé. Arme au clair. Bordel de bite. Tiens, j'ai perdu une arme. Ils ont tout un cœur. Ah, j'en ai peut-être déposé une dans mon vaisseau qui avait un cœur. Laquelle ? Tambour. Ah, c'est mon Orion. J'ai déposé mon Orion. Très bien. Cet endroit a été occupé, mais la personne qui était là est partie depuis longtemps. Non, c'est vrai ? Qu'est-ce qui te fait dire ça, que c'était occupé ? Franchement, je vois pas ce qui te fait dire que c'était occupé. Vraiment pas, Jacqueline. Des chaussures. Une porte ici. Bah, elle est partie où ? Alors comment on fait pour lui dire ? Je serai là si vous avez besoin de moi. Voilà, reste là. Ah d'accord, ah oui, elle reste là, elle reste là. Ça ne va pas ? Je vous protégerai. D'accord. Je croyais qu'elle allait rester là, dans le vaisseau, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Au premier abord, on dirait que c'est une éternité. Jean. Apparemment, la station a trouvé de nouveaux occupants. Je ne dis jamais non à des munitions supplémentaires, si jamais. Il y a un robot. T'as pas écouté tes copains, toi. Vous savez pas à qui vous avez affaire. T'as de la chance, j'ai pas encore la clé. Quand je vais la trouver, mec, tu vas bouffer pour tous mes frères incarcérés. Ah, mais si, je l'avais. Vous voilà.
sur la tête. Avancer, je peux pas encore, je crois. Parce que nous, on s'est pas du tout mis en crochetage, nous. Ok, donc j'ai la clé de maintenance, donc je vais pouvoir buter l'autre connard. Calibre 12. Ah, Mireille. Ok, il y a un Jackie ici. On va la battre. Tel le chien qu'il est. C'est la police, rendez-vous, monsieur. Par ici, encore un passage. Aucune idée d'où il conduit. Ah. On va regarder ça. Désolé mec. Il n'a eu aucune chance. Donc toi tu me dis qu'il y a un passage... Ah oui, ça c'est... Oh merde! L'objectif n'est pas forcément le profit, mais s'il y a quelque chose d'intéressant à prendre... Ok. Mireille qui a failli me faire tuer. Aller là. Ça
Ça, ça pourrait aller là. Ça, ça va pas là. Donc ça, ça va là, forcément. Le 3, il va ici. Oui. Donc celui-là va là. Celui-là va ici. Quel tas. Oh. Je vous fais confiance pour prendre tout ce qu'il y a d'utile. Oui, oui, oui. T'inquiète. Et encore, j'en prends moins qu'avant, Micheline. Parce qu'avant, je prenais tout. Jean ? Ah, d'accord. Qu'est-ce que c'est bien fait, le level design. Ça, c'est quand même du bon level design. Hein. Désolé les gars, on s'est trompé de secteur, mais c'était rentable. Alors, tac, 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 tac. Voilà. Peut-être avoir une arme qui est... Une arme ou deux, ouais. J'ai pas beaucoup de munitions de ça quand même, hein. Un peu dommage. Un petit VSS, c'est quand même pas ça. C'est quand même sympathique. Comme arme. Non, on se désamarre. J'ai trompé de touche. Quel imbécile. Qu'à l'école, nous sommes libres. Tac, tac. Tac. Allez, dégage. Très très vite. Un autre saut de plus. Prends ça, papa. Alors... Où est-ce qu'elle est, cette... Un vaisseau. Une activité hostile. Allons voir. Ah, mais il y a un pouvoir ici. La tour de l'éclipse. Non. Ils sont plusieurs. Allez. J'ai descendu leur astromoteur. Ils ont plus de bouclier. Allez, on achève. Descendu leur astromoteur.
rapier. Je crois que c'était à peu près tout. Aïe. Eh oui, c'était tout. Très bien. Facile. Contact du détecteur. Allons voir. Des caisses de livraison. Cool. C'est gratuit. C'est gratuit. On va aller tuer le monsieur qu'on doit tuer. Vous inquiétez pas. Plus de vitesse. Récupérer beaucoup de ressources ici, dites-moi. Ok. Non, c'est pas là que je voulais. Trouvez et détruisez le vaisseau. C'est parti. Se prépare à sauter au cas où, hein. Préparer le flingue quand même. Préparez votre flingue. Elle va certainement nous faire une couillasse. Nous sommes amarrés. Embarquez. C'est bon de retrouver notre propre vaisseau. Pas du vol, donc ça pue. Elle va tenter de nous buter. Elle va tenter de nous buter. Encore la réveiller. Ah.
pas volé le vaisseau. Pas tant qu'elle est pas morte, en tout cas. Oui, toi. Eh bien, bonjour. J'espérais que vous viendriez me voir. Le pire dans les voyages spatiaux, c'est de devoir manger seul. Je mangeais tous mes repas avec ma moitié autrefois. J'ai préparé plein de choses. J'espère que vous avez faim. C'est un plaisir de vous rencontrer. Tant de formalités. C'est un plaisir de faire votre connaissance. J'ai enfin pris ma retraite l'année dernière et depuis, je voyage partout. J'aurais bien voulu faire ça quand j'étais plus jeune, mais je vais pas me plaindre. Mes petits-enfants sont terrifiés à l'idée que je sois là. Totalement flippés. Vous n'imaginez même pas les gens que j'ai pu rencontrer. L'espace est dangereux. J'ai de bons boucliers et toujours assez d'hélium 3 pour m'astroporter en sécurité. Je fais attention. Alors, que pensez-vous des systèmes occupés ? Je n'arrive pas à croire qu'il y ait autant d'étoiles, de planètes et de lunes. J'ai la tête qui tourne rien que d'y penser. J'adore ça. À qui le dites-vous ? J'ai bien peur d'être fatigué, Trésor. Je suis au bout d'une très longue journée. Mais n'hésitez pas à embarquer un petit tanka pour la route. J'en ai plein en stock. Ça a été un vrai plaisir de vous rencontrer. Ok. Donc elle a pas essayé de nous baiser. Désamarrage. Donc là on me dit qu'il y a un pouvoir à récupérer sur une des planètes qui est ici. Eh bien on va regarder ça. Séparation propre. Juste sous leur nez quoi. Rendez-vous à Sidonia, oui. Charge de preuve. Chercher des preuves, oui. Un pouvoir venu d'ailleurs. Ah bah Piazzi 3. C'est là où je suis, Piazzi. Ouais. Alors. Localiser une planète présentant la caractéristique. Ok. Pacifier l'endroit suivant. Ok. Cobalt. Ok. Localiser vif aérif. Ok. On n'a pas beaucoup de choses à faire. Mais c'est principal ça aussi. Ah non, c'est pas principal. Très bien. Ouais, en fait, c'est pour avoir tous les pouvoirs. Ok. Et bah, allons à Piazzi 3. On y est. Alors, Piazzi 3. Piazzi 3, c'est là. Hop, on y va. Tu vas partir. Sur ma vie est encore... C'est encore plus excitant, mais oui. Waouh, ça a l'air trop cool. Je suis sûre que le capitaine est très occupé et n'a pas le temps pour toutes vos questions. Si vous avez les moyens d'avoir votre propre vaisseau, vous devez être super riche. Vous êtes célibataire ? Oh, bonté divine. Le coût d'entretien d'un vaisseau est élevé, je m'en sors, je suis célibataire et sur le marché. Ah bah voilà. On va devoir avancer. Question suivante, s'il vous plaît. Dernière question. Dernière. L'espace est un foutoir sans nom. Si vous pouviez forcer ces maudits politiciens à changer une chose, qu'est-ce que ce serait ? La sécurité a besoin d'un budget. Le problème, c'est que les vastes zones ne sont pas alignées. Nouvelle tête pensante.
Mais oui, le budget dans la sécurité. Donc encore des taxes? J'en paye déjà pas assez comme ça d'après vous? Et coupez pas ce... Merci à vous, capitaine, pour cette pause bienvenue. J'ai une question. Est-ce que c'est vrai que les capitaines ont une personne dans chaque port? Vous savez, une personne spéciale pour la more ou juste du sexe? Inutile de répondre à ça. Je crois que cette réponse nous intéresse tous, en effet, capitaine. Un bon vieux nom, je regrette ma vie privée. Je voyage dans l'espace comme les romans L'eau de rose. Je le savais, j'en étais sûre. Je jute beaucoup. Tout le monde regagne son siège. Coupez l'intercom. Vous avez une patience à toute épreuve. Ce groupe est très... énergique. Tenez, quelques crédits pour leur avoir offert une expérience authentique. Merci. Merci, votre capitaine. Nous allons nous rendre à notre prochaine destination. N'oubliez pas que nous serons à Néon dans 5 jours, donc ne dépensez pas tout votre argent. Astral Lounge, me voilà! Bonté divine. 4000 balles pour répondre à 3 questions? C'était le truc le plus rentable de l'univers. Mais si on va sur ces planètes-là, genre si on était allé sur Piazzi 3 avant d'avoir sur cette boule de billard. La mission du temple, est-ce qu'on aurait pu tomber sur l'anomalie et avant même de continuer l'histoire? Alors, connaissant les jeux Bethesda, oui. Pas de signe de vie ici. Mais je sais pas. C'est un problème de moi. L'anomalie du scanner. Non. C'est par là. Je perds pas de CO2. D'accord. Ah, j'étais pas en sprint, pourtant j'ai demandé. Oh. Qu'on est pas mal par là. Mais est-ce que ce sera tous le même type de... On va regarder. Ou est-ce qu'il y a... Il y aura d'autres épreuves, genre casser la gueule des gens. Temple Yota. Pas Yoda. Alors... maintenant il faut trouver comment on rentre dans celui-là.
L'autre, le premier, la porte était indiquée. Ici, ça m'étonnerait qu'elle le soit. Ah bah, elle est là. Ouverture de porte. Bah, ça a l'air d'être le même partout. Intérêt en fait de nous faire courir après ça parce qu'il n'y a pas d'ennemis, rien donc on ne comprend rien. Ces temples sont fascinants. Si seulement nous avions plus de temps pour les explorer. Yes. Niveau de plus. Et donc là, j'ai eu quoi ? Courber l'espace-temps pour entrevoir le futur et découvrir les actes de parole d'une personne. Ah d'accord, on choisit l'un ou l'autre. Ok. Là, il n'y a le droit qu'à un seul pouvoir. Ok. On va arriver seulement. J'avais d'autres choses à régler d'abord. Bon, on peut décoller. Allons saluer les étoiles. Tout est si beau vu d'ici. Nous sommes en orbite. Ok. Avant-poste scientifique, avant-poste industriel. Ok. Ouais. Alors, mission. Dernière volonté. On va faire ça. Avançons dans les dans toutes nos diverses missions de merde là.
avec le scanner à la recherche de contrebande. Scan terminé. Vous pouvez... Hop. Parce qu'en fait, ça fera quand même des... de l'argent. Et de l'argent et puis des... de l'XP. Donc c'est très bien de faire toutes les petites missions à la con là. Oula. C'est vous qui avez éradiqué ces camps de bandits. Si seulement il y avait plus de gens comme vous dans la galaxie. Oh, c'est pas vrai. Sérieusement ? 2000 balles pour avoir fait quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Alors... Les vies de presque tous les habitants des systèmes occupés sont tellement influencées par ce qui se passe dans ce bâtiment. On rend service à la communauté galactique. On sécurise l'espace. C'est une bonne chose, non ? Merci. Alors. Dernier détail. Un néon. Aquila City. Sarah. Monsieur Tate. Un garde a mentionné que le maire. Où c'est a l'air de me demander de prendre le métro, non? Liber Astra n'est qu'un groupe de barbares. Ok. Port spatial. Et on va faire ça, on va faire toutes les petites missions à la con, celles qu'on a depuis 8 ans là, dont on s'en est jamais occupé. On va essayer de nettoyer un peu notre notre log de mission. J'ai juste regardé si je peux modifier mon vaisseau au niveau des armes. Je peux mettre un deuxième lance-missile ou quoi? Ok, par contre, ce que je voulais voir, c'était justement ça. Non, c'était ça. Et ça, 15 modules de vaisseau unique. Ok. Je peux vous aider ? Vous n'avez rien à vendre ? Autorité commerciale. Bien sûr, je vous en prie. Constructeur de vaisseau. Hop, ajouter. Les armes. Les armes. Alors, attends. Ça, c'est quoi? Canon Dagan. Alors, par exemple, le lance-roquette qui est là. Ça, est-ce que je peux dupliquer? Oui. Taf! 24 000 balles? Eh ben. Et là, c'est pareil, ça. Ça, je peux pas le dupliquer. Le canon Dagan. D'accord. Et on peut pas le mettre autre part? On est obligé de le mettre là. Okay. On peut pas le mettre autre part. On pourrait le mettre là. Mais je peux pas le dupliquer. Je ne sais pas pourquoi. Mais on est d'accord que si je veux mettre... Ah oui, les lasers ici. Ça, c'est quoi comme laser ? Alors. Les armes, mais on peut pas trier les armes. Non. Classe A, B. C'est les C les meilleurs, hein, c'est ça ? Ouais. Rayon alpha automatique, c'est quoi ça ?
Cadence de tir, mais c'est quoi? C'est un dégât de quoi? Parce qu'en fait, tourelle alpha. C'est des lasers, ça. Si. Modifier. Parce que là. Cette tourelle alpha. Là. Si je la mets. Là. C'est sur quoi? Une erreur. Il me dit que c'est ça l'erreur. Alors, mais pourquoi? Vaisseau possède plus de 3 armes différentes. Ah, par exemple, là, je peux enlever les lasers. C'est ça. Et donc, mettre cette fameuse tourelle alpha qui viendrait... ici, par exemple. Et ça, je la mets en... tac... tourelle alpha. Ok, mais c'est quoi comme dégâts? C'est ça qu'on sait pas. Et ça, je peux la dupliquer. Ah ouais. Ah. Là, je peux la mettre là. Celle-là, je peux pas la mettre là. Marrant. Tourner. Ah, voilà. 61 000 balles. Mais je sais pas ce que ça fait comme dégâts. Je sais pas si c'est de l'énergétique ou quoi. Portée 3000. Portée 1000. Ça doit être du laser, hein. Portée 4000. Ouais, non, mais voilà. Alors par contre, je sais pas du tout comment ils vont tirer. Ça, on pourrait les bouger de toute façon. Ok. Paf. Renommer le vaisseau, non. Confirmer l'annulation. Annuler. Non, je vais accepter. Accepté. Voilà. Je donne beaucoup d'argent à toi, hein, Jacky. Donc là, on a des nouvelles armes. Mais il faudrait que je sache ce que ça fait comme dégâts. Il faudrait qu'on se trouve un petit esclave là à tabasser. Qu'il a deux petites oreilles en plus, mon Vaguisseau. Alors, normalement, elles peuvent presque tirer à 360 degrés, elles ne pourront pas tirer en dessous, évidemment. Nous sommes à nouveau dans l'espace. C'est du par. Par, ça veut dire quoi? Ralisant. Où est-ce qu'on pourrait choper un vaisseau à tabasser? C'est pas à Crix si faction flotte écarlate. On va essayer de faire ça. Voir ce que ça donne. On voit que si je sacrifie les moteurs, je peux mettre beaucoup plus dans mes missiles. Vous savez que c'est mon arrière-grand-père qui a conçu ce moteur. Et donc, là, on est d'accord que là, je suis à 7. On est arrivé. Donc, j'essaye un peu ce que ça donne, ces nouvelles armes. Un vaisseau. Ouais, mais c'est pas un vaisseau ennemi.
Et on peut lui vendre des trucs. Elle a beaucoup de... Elle a 70 balles. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Allez. C'est pas genre là où c'est le bordel dès que t'arrives? Et donc moi je n'ai plus qu'à tirer qu'avec une seule, qu'avec deux armes. Faudrait qu'on mette des tourelles balistiques aussi. J'espère que c'est des bonnes armes, hein. Et non. Les nouvelles coordonnées sont parfaitement exactes. Ça prendra pas longtemps. Elle tire que en que au-dessus. On se barre. Allez, dépêche-toi. Mal placé parce qu'elle tire qu'au-dessus. Il va falloir que je rajoute des supports d'armes. Bienvenue dans l'espace de Liberastra. Nous allons procéder à un scan pour contrebande de votre cargaison et vous pourrez repartir. Vous pouvez y aller. Amusez-vous bien à Aquila City. Ok. Il y a un truc là, un avant-poste industriel. Ouais. Allez, mais nous on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye.